Fabrice, est-ce que je prends ce micro finalement ? D'accord, comme tout à l'heure, il me semblait qu'il avait un fil. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans cette médiathèque José Cabanis qui vous reçoit avec cette attention aux autres que représente la jauge. Je sais que d'autres personnes auraient souhaité venir, que d'autres personnes vont arriver sans doute. Tout ça pour vous dire donc que je suis ravi de vous accueillir et d'autant plus ravi que je partage ce moment avec Maïlys Ademar et Fatima Das autour de ce thème « Femmes libres », tout un programme sur lequel on les interrogera. Je vais commencer par les présentations. Si je me retrouve, excusez-moi, dans mes papiers, il y en a trop. Voilà, Fatima, on va commencer avec Fatima qui est née à Saint-Germain-en-Laye dans une famille d'origine algérienne, dernière de sa fratrie. Vous avez grandi essentiellement à Clichy-sous-Bois. Et on vous doit, comme premier roman, La petite dernière. Je montre au distrait la couverture. Je dis au distrait à ceux qui ne l'auraient pas encore vu, chez Notabilia. Donc La petite dernière qui nous parle d'une personne, d'une adolescente, d'une jeune fille qui se découvre lesbienne et qui a du mal à vivre cet état, on va dire, ce statut dans sa religion musulmane. J'ai bien résumé. À votre droite, Maïlys Ademar, qui a grandi, elle, dans un petit village du Tarn. On peut parler aussi de fratrie de quatre filles. Après un bac agricole, vous avez renoncé, ça me fait toujours sourire quand je lis ça, à devenir bûcheronne. Eh oui. Pour suivre des cours d'histoire, professeur de français en Chine, campeuse en Patagonie, stagiaire dans de nombreuses rédactions, vous vivez à la maison, j'ai envie de dire, à Toulouse. Et vous êtes toujours journaliste indépendante ou c'est fini tout ça avec le succès du livre ? Non, plus ou moins. Plus ou moins. Vous avez animé également des ateliers d'initiation au journalisme pour les jeunes en territoire ruraux. Votre livre, couverture aussi, Béni soit Sixtine. Là, on ne parle plus de religion musulmane, mais de religion catholique, appliqué avec peut-être un peu trop de ferveur, puisqu'il s'agit du milieu intégriste, dans lequel se trouve plongée Sixtine, 21 ans, donc jeune fille très pieuse, qui rencontre Pierre-Louis Su de la Garde, jeune homme en qui elle voit un époux idéal, partageant les mêmes valeurs. Il se marie, et puis patatras, ça ne se passe pas forcément bien dans le couple, et c'est une femme, si ce n'est libre, mais une femme qui va se libérer. Ça vous convient ? Beau résumé. Bon, merci. Alors, je vais faire quelque chose qui ne se fait habituellement pas, c'est que je vais raconter ce qui se passait dans les coulisses. Il y avait une discussion, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, les deux livres ont obtenu un grand succès médiatique, un grand succès auprès du public et de la critique. C'est assez rare pour être souligné. La rançon du succès, c'est que ça donne droit à de multiples interviews. Et parfois, me disait-elle, il y avait une petite erreur que les gens commettaient, une petite erreur mais qui peut devenir agaçante, c'est de confondre les auteurs avec leurs personnages. N'est-ce pas, Fatima ? Oui, c'est très bien résumé. Bonjour tout le monde. Merci pour ce que tu viens de dire. Oui, c'est vrai qu'on était en train de se dire que parfois on se rendait compte qu'en fait certaines interventions pendant les festivals ou en librairie, il y avait toujours cette question qui revenait de l'autobiographie. Et donc je disais à Maïlys et Brice, que ça a été un peu difficile à certains moments de toujours devoir réexpliquer que personnellement, j'avais pas envie de raconter forcément mon histoire, mais que j'étais partie, bien sûr, d'une histoire intime. Et parfois, il y a cette confusion qui prend presque toute la place et on oublie en fait de parler de tout le reste, en fait, juste du roman dans sa totalité.
Il y a un mot qui m'a marqué dans ce que vous disiez, que le point commun entre vous et les protagonistes du livre, c'était pas à se situer au niveau des faits, mais de l'émotion. Oui, complètement. Moi, je suis partie de la base de mon roman, c'est les émotions, c'est la colère, c'est l'injustice, c'est l'incompréhension. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, ok, je vais tirer des fils. Et qu'est-ce que je veux dire de mon personnage ? J'avais pas seulement envie de parler de l'islam et de l'homosexualité. D'ailleurs, je parle pas sur, et je parle à un certain endroit de tension, de contradiction. Mais voilà, pour moi, c'était important de partir de ça, sans forcément vouloir dire la vérité. Qu'est-ce que vous appelez vérité ? De raconter mon histoire, tout simplement, qui n'est pas, enfin, de dire la vérité sur ce que j'ai vécu. Et de partir d'un point A à un point B pour raconter chronologiquement ma vie, ma petite vie. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Et au-delà de votre vie, le but, c'était quoi, justement ? Le but, premier, c'était de raconter une histoire qui était en moi depuis très longtemps, que j'avais gardée en moi. Je n'avais jamais écrit à cet endroit-là, en fait. Je n'avais jamais écrit... sur les contradictions, j'avais jamais écrit sur ce que c'est que d'être adolescente, de prendre les transports, d'être lesbienne, d'être musulmane, d'être banlieusarde, etc. Et donc pour moi, c'était important de faire exister une histoire qui était en moi depuis longtemps et que j'avais complètement tue, en fait. Je pense que le point de départ, c'est ça. Très bien. Maïlys, exactement les mêmes questions. D'une part, cette adéquation ou pas entre vous et le personnage, avec donc Sixtine, et d'autre part, quel était le but que vous cherchiez quand vous avez entamé ce premier roman ? Alors, l'adéquation entre le personnage et moi-même, elle s'arrête très tôt. C'est amusant parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais ton mari, toi aussi, il est un peu facho comme ça. Bon. » Il n'est pas baptisé, il est athée. Bon, c'est pas du tout, j'ai pas du tout eu la même vie que Sixtine, je chante très faux, contrairement à elle. Et en fait, moi, c'est plutôt... Ce personnage, il est né dans ma tête, dans un milieu que je connais, bien sûr, puisque j'ai grandi dans une famille qui était proche de ces milieux-là, sans avoir pour autant toutes les étiquettes de la famille de Sixtine, c'est-à-dire que je n'étais pas dans une famille bourgeoise, je n'habitais pas en ville, mais dans un petit village à la campagne. J'avais des parents qui avaient une petite porte d'ouverture sur le monde. Et pour autant, j'allais dans des camps intégristes tous les étés où je côtoyais des Sixtines en puissance. Et donc, ce personnage, il est plutôt né après de l'imagination en voyant ce qu'étaient devenus mes amis d'enfance, qui, elles, étaient devenues des Sixtines, donc des filles très soumises à leur milieu, à leurs parents, à leur mari, aux injonctions de leur foi. Et donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est construit. Mais si ce n'est que je connais bien ce milieu et que, comme Fatima, certaines émotions que je donne à Sixtine sont aussi celles que moi, j'ai connues à des moments de ma vie, pour autant, ces émotions, elles s'arrêtent à peu près à l'âge de 12-13 ans. Quoi. Après, c'est vraiment très, très différent. Sur le point de départ du roman... Une rencontre, peut-être. Alors, il y a eu une rencontre avec une amie d'enfance qui était, avec qui j'avais complètement perdu contact. Et puis, je la retrouve et là, elle me raconte sa vie... 5 enfants, elle attend le 6e parce que le mari est passé lors d'un retour de mission en marin militaire. Et donc elle est enceinte, elle est dégoûtée parce qu'en 7 ans, elle n'en peut plus. Et en même temps, elle n'a pas d'autre choix parce que la contraception est interdite. Et elle est dans l'offrande, c'est-à-dire qu'elle offre, elle souffre pour Dieu, c'est normal. Et là, elle me donne des nouvelles de toutes nos copines d'enfance et toutes étaient devenues mères de familles nombreuses ou bonnes sœurs, aucune ne travaillait. Et ça m'a fait un électrochoc, en fait, où je me suis dit, j'aurais pu devenir comme elle. Et moi, je partais juste à un festival de reggae, et là, je me suis dit, ce serait dingue que cette fille, elle se retrouve, bam, parachutée dans un monde qui n'a rien à voir. Il fallait l'amener. Ouais, elle aurait pas... Enfin, voilà, ça n'aurait pas été possible. Et en fait, c'était un peu le point de départ, et l'histoire est née vraiment dans ma tête, lors d'un trajet en voiture, où j'ai eu un peu comme le film de l'histoire, et après, j'avais plus qu'une envie, c'était de l'écrire. Si on s'amuse au petit jeu des similitudes entre vos deux livres, il y a quelque chose à laquelle j'ai été sensible, c'est qu'aucun n'est anti-religieux, me semble-t-il.
Hein, l'islam, vous essayez de comprendre, vous essayez, voilà. Et pareil pour Maïlis, où c'est pas du tout un brûlot contre la religion catholique. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. C'est plutôt, pour moi, c'est plutôt de questionner le cheminement d'une personne qui grandit dans une famille musulmane et qui, à un moment donné, se dit « Est-ce que je suis vraiment musulmane par mimétisme ou parce que j'ai vraiment la foi ?» Donc il n'y a pas vraiment il y a pas dans ce roman de l'anti-religion. En tout cas, il y a l'envie de savoir qui on est en fait. Et est-ce qu'on y croit vraiment? Et comment il y a vraiment ce truc de se reconvertir à l'islam constamment en fait. Et l'envie de continuer à aimer Dieu et de ne pas renoncer ni à son orientation sexuelle ni à sa religion qu'elle aime et qu'elle a choisie. Eh bien. Ouais, c'est vrai que le rapport à la foi, moi, j'avais pas du tout envie non plus de faire quelque chose qui soit manichéen. Ouais, anti. Déjà, je pense que la foi doit être. Enfin voilà, la foi, c'est quelque chose d'intime qui doit être respecté. Moi, je voulais plus décrire sans juger un intégrisme qui est l'intégrisme catholique, et je pense que les mots suffisent en fait. Il y a pas besoin d'enfoncer le clou. Il suffit de décrire comment ces enfants sont éduqués, comment ces femmes sont éduquées, le tabou de la sexualité, le mariage, la nuit de noces, les enfants et tout ça. Je pense qu'il suffit de décrire en fait leur vie classique quotidienne pour comprendre comment ils sont. Pour autant, je voulais pas blesser aussi les gens qui ont une foi. Alors, je vous dis ça après coup parce que quand je l'ai écrit toute seule dans mon coin, je pensais pas que ça serait édité un jour. Mais moi-même, j'ai une tendresse aussi pour les gens qui ont la foi. Je pense que chez des croyants, il y a des gens formidables. Et moi-même, qui me suis beaucoup éloignée de la religion catholique, je suis toujours admirative de prêtres ou de gens qui ont la foi, qui font énormément de choses. Moi, dans mon quartier, à la Faourette, à Toulouse, il y a un prêtre qui fait plein de choses pour les enfants roms, pour les migrants, pour les gens qui sont à la rue, enfin... Je trouve qu'il y a plein de choses vraiment... Et je ne voulais pas donner une vision juste voilà, très excessive et manichéenne. Pour autant, il y a vraiment des choses qui, dans la religion catholique, m'interrogent énormément en dehors de l'intégrisme. C'est-à-dire que même si moi, je parle de l'intégrisme, il y a plein de choses sur le rapport à la sexualité notamment que j'avais envie d'interroger aussi, qui dépassent quand même l'intégrisme. Cela dit, vous disiez que vous n'aviez pas envie de heurter des gens, mais certaines personnes, m'avez-vous confié, se sont quand même trouvées choquées par ce que vous écriviez. Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de cathos qui m'ont écrit en me disant « Ah, j'ai beaucoup aimé, j'ai été touchée », il y a même un prêtre qui m'a écrit. Et à l'inverse, les cathos intégristes ont traité le livre de pervers. Ils ont dit que j'étais une traîtresse malsaine. Je prie pour un petit compliment. Il y a vraiment eu des attaques dans un journal d'extrême droite, voilà, qui a dit que c'était qu'on traitait le christianisme dans la boue. Enfin voilà. Mais pour vous consoler, il y a d'autres personnes, oui, qui ont trouvé un appui à votre temps. Moi, sur le coup, j'ai eu peur. En fait, je me suis dit, j'espère que je voulais surtout pas que des croyants se sentent attaqués par ce livre. Et il s'avère qu'il y a, enfin voilà, j'en ai parlé avec des gens ce matin même à Blagnac, avec une dame qui m'a dit, moi, je suis à la messe tous les dimanches et j'ai beaucoup aimé. J'ai été touchée par le personnage de Sixtine, par sa foi aussi. Et parce qu'elle a une foi véritable, un peu comme voilà, ton personnage Fatima, c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'interrogent, se posent des questions. Alors elle, au début, elle ne s'interroge pas du tout parce qu'elle est dans un obscurantisme qui fait qu'on n'a pas le droit de se poser de questions. Mais même à partir du moment où elle s'interroge, en fait, elle s'interroge sur tout ce qu'il y a autour de la foi, c'est-à-dire sur l'interdit du sexe, sur l'interdit de voir d'autres personnes qui pensent autrement, sur le rejet des autres, le rejet des musulmans, le rejet des migrants, le rejet des gens, des gauchistes, enfin voilà, tout ce qui est différent. Mais finalement, elle, la foi, elle la garde, c'est quelque chose de profond chez elle, de tout de fort. À fait. Fatima, même question pour la réception du livre. Comment elle a été perçue, ce livre ? Tout dépend où, comment. Oui, mais je sais. Mais je dirais que j'ai été très surprise et très heureuse de voir que ça rencontre un large public. Mm-hmm. Que souvent, on a l'impression que... voilà, on m'a souvent dit, mais ça va parler à la communauté LGBT, ça va parler aux lesbiennes, musulmanes, mais en fait, pas du tout, pas que.
bien sûr que ça peut parler à ces personnes-là, mais pas que du tout. Donc j'ai été très heureuse de ça. Ensuite, je pense que voilà, ce qu'on se disait au tout début, c'est-à-dire que dans les médias, il y a eu une réduction, il y a eu voilà, hashtag musulmane, hashtag homosexuel, pour la faire courte. Et, mais j'ai pas eu, bon, j'ai eu à un moment donné une espèce de polémique un peu absurde, mais à part ça, j'ai pas eu. Polémique avec qui je me suis... Oh, je ne vais pas revenir là-dessus parce bon, que d'accord, okay, on oublie, c'est on pas oublie. Très intéressant non, en fait. On oublie. C'est juste que c'est. Enfin, j'ai pas du tout. Je pense que c'est pas très intéressant. Vous saviez-vous qu'il allait être édité quand vous l'avez écrit? Moi, je l'ai écrit pendant mon master de création littéraire. Je retardais le moment, donc j'étais pas du tout sûre de publier à aucun moment. Hein. Pour quelle raison? Mais j'avais quand même l'envie. Parce que j'avais envie de prendre le temps, je pense. Et je ne savais pas qu'en écrivant cette histoire, ça allait être mon premier roman. Et ensuite, après, moi, c'est venu très vite, donc j'ai eu peu de temps pour y réfléchir. J'ai rencontré mon éditrice à ma soutenance, donc c'est venu assez vite. Le goût d'écrire, vous l'avez depuis quand? Depuis l'adolescence. J'ai commencé à écrire à l'adolescence. Vous vous souvenez des tout premiers écrits? Je me souviens que je tenais des journaux où j'écrivais des textes que pour moi. Ça m'aidait à parler, en fait. Ça m'aidait à trouver les mots, à mettre des mots sur ce que je ressentais. Mais je ne faisais pas du tout lire ce que j'écrivais à ce moment-là. Et plus tard, j'ai commencé à partager mes textes au lycée avec des lycéens et des lycéennes de mon bahut avec qui j'ai fait des ateliers d'écriture. Et ensuite, j'ai intégré le master. Voilà, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps, l'écriture. C'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire de la littérature française, le fait qu'on puisse apprendre à écrire, qu'on participe à des ateliers d'écriture, ou qu'il y ait la faculté du Mirail aussi offre ça, enfin du Mirail de Jean Jaurès maintenant, offre ça. Comment, s'il y a une petite souris qui entre dans un atelier, qu'est-ce qu'elle va voir? Il n'y a pas vraiment de technique d'écriture. Par contre, c'est des ateliers d'écriture. Enfin, notre enseignant, notre enseignante nous propose d'écrire, je ne sais pas, tout et n'importe quoi, en fait. Une forme, donne une forme ou un sujet. Et ensuite, c'est du partage, en fait. C'est du partage et des conseils d'écriture et des remarques sur ce qu'on a pu écrire. Mais il n'y a pas de « vous devez écrire de telle manière » ou « ouais, il n'y a pas de technique, en fait. » Il y a vraiment plutôt des lectures, des angles de lecture différents à chaque fois, des conseils sur ce qu'on a pu écrire. Ouais, je dirais ça. C'est là où vous avez rencontré Virginie Despentes, dans le cadre d'un atelier qui a dit de très belles choses sur vous, sur votre style. On y reviendra. Maïlys, pareil, ce goût de l'écriture, cette pratique de l'écriture, vous avez donné des ateliers, mais vous n'avez pas participé à des ateliers d'écriture. Non, c'est vrai. Moi, ça vient vraiment de l'enfance. Quand j'étais toute petite, mon premier roman, je l'avais écrit à 7 ans à l'école parce que je détestais l'école. 7 ans. Ouais, mais ça vaut pas. Je l'ai encore, ça vaut pas grand chose. Il y a plein de fautes d'orthographe, c'est vraiment pas très visible. Mais ça, on peut les corriger, ça c'est pas très grave. Ouais, même, je pense que c'est pas top. C'est un petit gosse qui brûle l'école, ouais. Ah oui. Déjà la rebelle. Femme libre. Ouais. Femme libre, ouais. Et donc, ouais, j'ai beaucoup écrit à l'école, en classe. J'écrivais beaucoup de petites histoires, de pièces de théâtre aussi qu'on jouait tous les étés avec mes copines du village et mes sœurs sur la place du village. C'était très sympa. Et en fait, quand j'étais persuadée que c'était génial ce que j'écrivais, et puis en grandissant, à l'âge de 18-19 ans, j'ai perdu complètement confiance dans mon écriture parce que je suis rentrée à la fac puis en fac d'histoire où voilà il y a vraiment c'est très normé dans la façon d'écrire etc. et j'avais l'impression que ce que je faisais à côté c'était un peu ridicule, c'était un petit peu nul, mais j'ai toujours quand même continué un petit peu à écrire, à essayer d'écrire des romans, des petites pièces de théâtre etc. Et pour autant, je me disais que le milieu d'édition, j'avais envoyé une fois un manuscrit quand j'étais beaucoup plus jeune à une maison d'édition, et je me disais que c'était inaccessible. Et puis en devenant journaliste, un journaliste pigiste, tu sais ce que c'est. il faut vraiment beaucoup écrire pour gagner sa vie, et donc écrire toute la journée des articles plus ou moins bien, ça épuise aussi dans l'écriture, et on n'a pas envie le soir de se remettre à sa table de travail et d'écrire.
Et moi, ça a été vraiment quand j'ai eu mon premier enfant, où je me suis dit, mais avoir un enfant, ça me semblait un truc un peu de dingue. Et je me suis dit, mais en fait, tu as fabriqué un enfant, c'était pas du tout à ta portée, tu serais quand même beaucoup plus capable de faire un livre, donc vas-y. Et ça a été du temps, en fait, je me suis donné du temps pour ça. J'ai écrit comme ce que j'aime lire, en fait. Je ne peux pas dire que j'ai suivi une technique ou que je me suis inspirée d'un livre en particulier. J'ai écrit un peu à l'instinct, porté par mon personnage, juste en prenant des périodes de temps un peu partout, comme Fatima, dans différents endroits, et juste en me laissant porter par l'histoire. Et pareil, sans savoir, en me disant, bah, tant pis, si ce n'est pas publié, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, j'avais pris beaucoup de plaisir pendant toute cette année d'écriture où j'ai écrit par petits bouts. J'ai pris énormément de plaisir à l'écrire. Et puis à la fin. Ici en particulier. Et ici aussi à Cabanis. C'est très émouvant. C'est vrai, ouais. Bénisso Sixtine doit quelques-unes de ses pages à ce lieu. Je suis venue ici plusieurs fois pour faire des recherches dans des livres et écrire. Donc c'était. Ouais, c'est très chouette d'être ici cet après-midi. Et du coup, quand le livre, un peu comme Fatima, ça a été très rapide. C'est-à-dire que moi, mon livre, il est arrivé très vite sur le bureau, complètement par le hasard d'une rencontre sur le bureau de Vanessa Springora, qui venait de reprendre Les Reines de Julliard au moment où son livre sortait, Le Consentement. Ouais. Et donc, elle m'a appelée très rapidement en me disant on le fait. Donc, pour moi, c'était une surprise. De taille, qui fait que quand je l'ai écrit, je ne me suis pas auto-censurée par rapport au milieu, parce que je pensais pas que ça dépasserait le cadre de mes quelques copains qui ont envie de lire ce que j'écris. Ouais. Qu'a fait l'éditrice sur votre livre? Parfois, il y a des éditrices plus ou moins inquisitrices qui vont bouger des choses, qui vont couper, enfin, en tout cas demander à ce qu'on coupe. Il y a eu un gros travail de la part de Vanessa Springora. Alors, il y a eu un travail qui était important de travail de fourmi, c'est-à-dire de vraiment améliorer le texte, enlever la moindre répétition, la moindre incohérence, la moindre chose qui alourdit, etc. Après, c'était un peu particulier parce que ça devait aller vite. Moi, elle m'a dit, on y va, c'était le mois de février. Moi, j'étais enceinte de 8 mois, donc déjà, moi, j'allais plus pouvoir faire grand-chose. Mm-hmm. Je savais que c'était un peu le bout du rouleau. Et ensuite, le livre, c'était pour septembre. Donc septembre, ça veut dire temps éditorial, il fallait que le livre soit prêt pour mai pour les journalistes. Et puis, il y a eu le confinement qui est arrivé, confinement acte 1. Donc, en fait, c'était vraiment un travail de fourmi qui était nécessaire, hein, bien sûr. Mais il n'y a pas eu de grosses... Non, oui, bien sûr, mais justement, c'est tant mieux, j'imagine. Oui, oui, tant mieux, parce que ça doit être douloureux quand on vous dit coupe 3 pages. Là. Mais pour autant, ce travail a été, et pour moi, hyper intéressant à voir. Et c'est très formateur aussi de voir le travail de l'éditeur. Ouais, c'est ce qui fait l'honneur, me semble-t-il, d'une maison d'édition, de s'intéresser à ses auteurs dans le détail, dans le texte. Il y a des maisons d'édition qui prennent le texte tel quel. Oui. Okay. Fatima. Même question, pardonnez-moi, mais c'est un duo, donc. Si, je vais la tourner autrement, et la tourner de manière très candide. Ça a été difficile d'écrire La Petite Dernière? Ouais, ça n'a pas été toujours facile, on va dire ça comme ça. Au départ, j'avais pas du tout envie de continuer le premier texte que j'avais écrit. Déjà, le point de départ, c'était est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et finalement, j'ai eu cette urgence, en fait, d'écrire cette histoire-là. Écrit vite? Ouais, en fait, après ce moment, dans ce déclencheur, où de me dire, ok, il faut que j'y aille, il faut que je l'écrive, j'ai pas pu m'arrêter de l'écrire. Donc c'est allé assez vite, en fait. Il y a une manière lancinante de traiter le texte, hein, qui tourne autour de, déjà on peut parler de ça, du prénom, du nom de la personne, je m'appelle Fatima, etc. Ça obéit à quoi? Comme une, je sais pas, qui donne un rythme, ou comme une prière peut-être, j'ignore ce que... Bah, en fait, je pense qu'il y avait au départ, ça revenait pas à chaque fois, en fait. Cette anaphore-là revenait 3 à 4 fois. Ensuite, j'ai pris le risque de la faire revenir systématiquement à chaque début de chapitre, comme une manière aussi d'essayer d'attraper ce personnage et de le connaître et de le saisir un peu plus. Donc il y avait cette volonté-là, et aussi pour la musicalité et pour la forme, en fait, juste par le plaisir du refrain qui revient, quoi.
Pour connaître, ça fait écho à parfois vous donner les définitions des mots. Il y a un mot qui est utilisé par la narratrice et elle donne exactement sa définition. C'est, pour vous, le roman, ça sert à comprendre ? C'est une bonne question. Je pense que ça... J'ai la sensation que ça aide à poser des questions sans forcément trouver de réponse. Après ce roman, vous n'êtes pas la même. Je suis sûr que vous avez découvert quelque chose, non ? Oui, bien ne, sûr. Ne nous dites pas quoi, hein, restons. Vous avez le droit de préserver votre intimité, mais je ne sais pas, est-ce qu'il vous a touché ? Est-ce qu'il vous a transformé ? Est-ce qu'il vous a modifié ? Forcément, je pourrais pas dire que non. Ouais, ça m'a fait exister des choses que j'ai mis de côté pendant très longtemps. Donc ouais. Déjà, c'est assez fou comme expérience pour moi de le vivre en l'écrivant, mais aussi ensuite de le partager. Maëlys, vous parliez de maternité tout à l'heure. Bon, on peut se tutoyer d'ailleurs. Tu m'as tutoyé, j'ai vu. Bon, là, on se tutoie. On voulait exclure personne, mais vous le prendrez comme un gage d'amitié. Donc, Maëlys, tu parlais de maternité et de ta paternité, mais celle de Sextine est très importante dans le livre. Et tu m'avais dit qu'un de tes regrets, peut-être, c'est que les critiques avaient axé sur l'intégrisme, sur le côté catholique, le côté libération de la femme, mais que la dimension maternelle était un peu passée à l'as. Et c'est très important dans ton livre. Ouais, c'est vrai, c'est comme ce que disait Fatima, il y a un côté réducteur. Bon, moi, je suis journaliste, je sais aussi comment ça fonctionne, les médias, on a un peu tendance à mettre les gens dans une case. Et c'est vrai que moi, les journalistes ont beaucoup orienté leurs critiques ou leurs questions quand ils m'interviewaient sur l'intégrisme catholique et la description de ce milieu catholique intégriste. Et je comprends aussi, parce que c'est vrai qu'en littérature, c'est très peu exploré, en fait. On parle souvent de l'intégrisme musulman ou un petit peu juif, mais soi-même regarder sa propre religion majoritaire, entre guillemets, on a plus de mal à le faire. Mais pour autant, pour moi, la question de la maternité, elle était centrale dans ce livre, parce qu'en fait, c'est la maternité qui donne à Sixtine la force de partir. Ce n'est pas une révoltée. Elle, à aucun moment, elle se dit « je vais quitter ces gros tarés de fachos parce qu'ils sont complètement barjots ». Elle ne se dit jamais ça. Pour elle, c'est la normalité, en fait. Et ce qui la pousse à fuir et ce qui la sauve, c'est qu'on touche à son enfant. Et elle est, en fait, elle n'est pas dans la révolte, elle est dans la protection. Elle est comme une louve, un animal qui prend son petit, c'est quelque chose de très animal, qui prend son petit entre les dents et qui s'enfuit avec. Et ça, on le retrouve dans plein d'autres civilisations, dans plein d'autres géographies du monde. Enfin, ce pouvoir des mères, des pères aussi, mais c'est quand même sur le petit enfant souvent des mères, de protéger son enfant coûte que coûte et d'être prêt à rompre avec tout, à faire des milliers de kilomètres, à affronter des choses incroyables pour cet enfant. Et Sixtine, c'est ça qu'elle fait. Elle prend la fuite pour son enfant. Et en dehors de ça, en dehors de cette fuite, la maternité, comme elle va la connaître avec son petit garçon, est quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Parce que dans ces familles où vous faites 8, 10, 12 enfants, sans les avoir forcément désirés, parce qu'il faut faire une famille nombreuse pour repeupler la France de petits croisés, etc. Et puis, il faut accepter toutes les grossesses qui viennent. Il n'y a pas de contraception, même au sein du couple marié. Il n'y a pas de... Alors, ne parlons même pas d'IVG. Donc, en fait, on accepte les enfants qui viennent, même si on n'en a pas envie. Et je pense qu'une femme, au bout de 12 grossesses, elle doit être un peu lessivée, elle doit en avoir un peu ras-le-bol. Et donc, son rapport aux enfants, il est très souffrant, en fait. Bien sûr, elles aiment leurs enfants, mais elles n'en peuvent plus laver les couches, les casseroles, faire la tambouille. Quoi. Elles sont vraiment dans je préfère même pas imaginer leur vie, mais elles offrent tout ça en sacrifice et en même temps elles ont aussi l'objectif que leurs enfants deviennent des petits chrétiens bien comme il faut, qui reprendront le schéma. Oui, et puis elles ont très peur qu'ils tombent dans le péché, donc moi j'ai entendu des mères dire je préférais que mon enfant soit mort plutôt qu'il fasse un péché mortel. C'est quand même fou, quoi. Et du coup ça, dans la relation à l'enfant, il y a aussi ça, c'est-à-dire que l'enfant qui commet un péché, vraiment, il y a une violence aussi éducative qui est très très forte. Moi, quand des gens m'ont dit « t'as exagéré ce milieu », non, j'ai pas exagéré. Non seulement j'ai pas exagéré, mais j'ai pas raconté ce qui se passe pour les enfants. Parce que la vie de Sixtine, je l'ai commencée quand elle a 12-13 ans, les petits passages sur son adolescence, enfance, mais il y a vraiment une violence éducative qui est très forte parce que les interdits sont énormes.
Et donc Sixtine, elle découvre la maternité autrement, puisqu'elle est toute seule avec ce bébé, et finalement, elle a pas trop de tâches ménagères, et puis elle a pas envie d'entrer dans quelque chose de trop contraignant, elle trouve ça plus pratique qu'ils dorment avec elle, et en fait, elle se laisse plus dominer par les mères, les belles-mères, qui dans ces familles-là ont encore un pouvoir très fort. Il y a un jeu sur les noms aussi, sur le prénom. De l'enfant, du choix du prénom, voilà, de l'enfant. Ouais. Ouais. Bah, y a des choses, dans les femmes, c'est toujours pareil, hein, c'est que les femmes, elles se doivent quand même d'être soumises. C'est l'homme, le chef de famille, et la femme est là pour faire des enfants. Si le mari a décidé d'un nom, c'est le cas de Sixtine, son mari a décidé d'un nom, ben voilà. Et puis voilà, la mère, la figure de la mère, c'est la seule qui est acceptable, en fait, de la mère de famille nombreuse. Donc une mère d'un enfant, c'est vraiment... limite, quoi. C'est limite la salope, quoi. On n'est pas loin. C'est la mère ou la vierge. Et donc, tout ça, c'est... Voilà. La dernière fois, je réfléchis à ça, je me suis dit, c'est fou. La Vierge Marie, qui est la figure vraiment chez les catholiques, et chez les intégristes, c'est vraiment... la Vierge Marie, c'est limite l'égale de Dieu. C'est fou. Elle est définie quand même par la Vierge. On ne dit pas le puceau Jésus. On dit la Vierge Marie. Ouais. Enfin, c'est quand même hallucinant. Elle est définie par le fait d'avoir couché ou pas couché. Mm-hmm. C'est vraiment, il y a un poids sur les femmes, sur les mères même, de la sexualité, qui est même interdite au sein du mariage si ce n'est pas pour enfanter. Fatima, on parle de mère. Il y a un très beau portrait de mère. Vous nous expliquez le rapport qui est tout en nuances d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié, entre... Fatima, votre personnage, cette homosexuelle, enfin qui se découvre homosexuelle, et sa mère. Il y a beaucoup de silence, de non-dit entre les deux, et d'amour. Ces deux personnages, et d'amour bien sûr, et de tendresse, et de cadeaux, de surprises. Et il y a la recherche en fait de communication autrement que par les mots. Donc ça passe par la cuisine souvent. L'attention dans son royaume de la mère. Et il y a aussi beaucoup d'attentes, d'exigences de la part de la mère envers ce personnage-là. Elle attend d'elle qu'elle soit une petite fille comme elle aurait aimé qu'elle soit. Et une petite fille donc, qui sera une femme hétérosexuelle. Donc il y a vraiment cette pression d'être la fille qu'on attendait. Ouais. Avec cette culpabilité qu'éprouve le personnage principal. Tout à fait. Bah, se rendre compte qu'on va décevoir la mère à un moment donné, c'est quelque chose de compliqué pour ce personnage-là. Mais c'est de renoncer en fait à être la fille désirée. Elle se ment pas un petit peu, la mère aussi. Elle se met pas des œillères. Il y a pas des choses qu'elle ne souhaite pas voir. Si, sans doute, ça fait partie de, je pense, de moi, ça m'intéressait de parler du silence, en fait, de ce qui se dit pas et de ce qu'on comprend ou pas, mais de ce qu'on préfère pas entendre, en fait, et d'être ok avec le fait de pas le dire, mais de le savoir, une espèce de discrétion de secret. Jusqu'au bout, parce que je veux peut-être pas déflorer les dernières pages, mais ça se passe la toute dernière page, si j'ai bonne mémoire, ça se passe entre la fille et la mère à propos du livre qui devrait paraître. Tout à fait, du livre que le personnage écrit. Donc il y a cette scène où le personnage de Fatima essaye de dire à sa mère qu'elle écrit un roman et de quoi il parle en fait. Et en fait il y a cette impossibilité de le dire finalement. Mm-hmm. Et donc ça se termine vraiment encore sur le silence, mais aussi sur le cadeau de la mère pour l'anniversaire de Fatima. Et Fatima pensait que la mère avait oublié son anniversaire. Donc il y a comme un accord en fait, il y a comme une complicité, un accord à la fin. On n'en parle pas, mais... Maëlys disait que son personnage n'était pas Sixtine, donc n'était pas une révoltée. Mais Fatima non plus n'est pas une révoltée. Vous êtes d'accord avec ça? je ne sais pas si c'est une révoltée non plus. Je pense que c'est juste... c'est quelqu'un qui essaye, en fait, de... d'être elle. Ouais, d'être elle, d'accepter de ne pas avoir une place fixe, d'accepter que ce ne sera pas toujours très facile... d'accepter les contradictions et de réconcilier tout ça, en fait. Il a été question de religion, mais parlez-nous du rapport à la religion qu'elle a, Fatima. En fait, il y a cette chape
Là encore, elle ne remet pas en question les dogmes, mais elle va même faire des démarches, elle va voir des imams. Un lui dit des horreurs, d'ailleurs. Racontez-nous comment vous la percevez, vous qui la connaissez bien mieux que nous. Comment vous je la connais pas si bien, en fait. Ouais. J'essaie de la connaître. Ouais. Non, mais je pense qu'elle elle essaye de ne pas tout jeter à la poubelle, en fait. Parce qu'il y a cette histoire de cette envie de se reconvertir à cette religion et d'apprendre réellement voilà, pourquoi elle est musulmane, en fait, pourquoi elle tient à cette religion, pourquoi elle aime Dieu, qui est Dieu, etc. Et ensuite, il y a cette volonté aussi de, peut-être d'apaiser les contradictions, en fait. Donc elle va voir les imams, mais ce n'est pas forcément pour trouver des solutions, c'est aussi pour confirmer ce qu'elle sait déjà. Et donc peut-être faire le deuil de la bonne fille, de la bonne musulmane, de la bonne petite fille, de la bonne élève, de la bonne musulmane. Et c'est comme ça qu'elle continue à croire, en fait. C'est comme ça qu'elle continue à aimer Dieu. Et il y a, ce besoin de trouver une porte de sortie sans forcément rompre. En tout cas, sans forcément faire le deuil de la famille. Le titre, La petite dernière, c'est venu de quoi ? De la place. De la place de ce personnage au sein de la famille, de la place de ce personnage dans la société. Il y a un côté péjoratif, la dernière, tu es la dernière des dernières, c'est ça aussi ? J'avais envie de retourner justement l'idée de la petite dernière qui est la préférée, qui est celle à qui on accorde le plus d'attention, etc. Donc j'avais envie de parler de justement de cette personne qui arrive à la fin, de la dernière, oui, qui n'a pas été désirée, qui n'est pas à la bonne place jamais, en fait. À l'école, avec ses amis, avec ses amantes, qui ne trouve pas la bonne place et qui n'arrive pas à trouver la bonne place. Sixtine, d'où vient ce prénom ? On pense à la chapelle Sixtine, mais qu'est-ce qui vous a séduit dans le fait de... qu'est-ce qui t'a séduite, qui t'a séduite dans le fait de choisir ce nom-là ? Très classique, hein, c'est vraiment... C'est le prénom de la sixième fille, alors pas dans toutes les familles, mais dans beaucoup de familles catholiques intégristes ou très tradies. Sixtine, c'est la sixième. On ne sait plus comment l'appeler parce qu'on en a déjà plein. Et donc, on l'appelle Sixtine, comme ça, on s'en garde un peu pour la suite. Non, non, mais c'est un peu comme ça quand même. Ouais. Et donc, on retrouve très souvent le prénom Sixtine, qui est un joli prénom. Oui, moi, je trouve ça adorable. Et qui n'est pas porté que par des catholiques intégristes, pas du tout. Mais je trouvais que c'était aussi symbolique de la place. C'est marrant parce qu'il y a aussi ce mot place là qu'on lui donne. Elle est la sixième fille et voilà, elle est vraiment dans un espèce de rail, de wagon où elle est la sixième, elle devra se marier. Son destin est tout tracé en fait. Et ce prénom résume aussi ça, c'est-à-dire la sixième s'appellera Sixtine, peu importe sa tête à la naissance, peu importe ce qu'on a envie, elle s'appellera Sixtine, elle fera sa première communion, elle se confessera tous les week-ends. Elle ira à la messe et elle se mariera tôt avec un homme qui lui fera beaucoup d'enfants. Enfin, vous voyez, c'est, ouais. Tout est dit dès la naissance et dès le choix du prénom. Et le titre ? Le titre n'est pas du tout de moi. C'est mon éditrice Vanessa qui l'a trouvé. Bravo Vanessa, ouais, parce que voilà, c'est très beau. J'avais plus de cerveau, moi, pour trouver un titre. Il n'y a pas eu de titre de travail, rien du tout au départ ? Aussi, moi, je l'avais appelé 18 mois avec Adam. Parce que 18 mois avec Adam. Avec Adam, ouais, c'est un nom, un titre un peu pourri, m'a-t-on dit. Mais je comprends. Je préfère Béni soit Sixtine, pour être honnête. Parce qu'en fait, moi, le côté catho-intégriste, je le connaissais tellement que pour moi, c'était pas un truc de dingue, c'était pas extraordinaire de parler de ça, donc de mettre le focus sur le côté religieux. Pour moi, ce qui était central dans le livre, c'était l'échappée de cette femme pendant 18 mois avec son enfant, ces 18 mois au cours desquels elle s'éveille Elle va rencontrer une communauté qui n'a plus rien à voir avec elle va rencontrer plein de gens différents, ouais. Des gens qui ne sont pas croyants, une voisine coiffeuse qui s'habille de façon très vulgaire, une communauté de marginaux qui vivent dans une ferme autogérée, enfin, des gens qui n'ont rien à voir. Et tous ces gens-là vont à la fois la révulser et l'attirer parce qu'ils sont sympas. Juste, ils sont sympas, ils habitent à côté de chez elle, ils lui parlent, ils lui proposent de boire une bière. Et elle est complètement hallucinée par ces gens et par leurs mœurs. Elle est choquée, elle est révoltée. Et en même temps, ils sont sympas. Et donc, elle, petit à petit, elle va aller vers eux. Et voilà, donc, pour revenir au titre, on s'en est un peu éloigné. Mais c'est vrai que Béni soit Sixtine raconte, et j'en suis très heureuse, raconte bien aussi le fait que cette fille, elle est aussi... Il y a ce côté, elle est bénie parce qu'elle a réussi à s'en sortir. Et cette référence religieuse aussi, après coup, je pense qu'elle est importante.
parce que je ne voulais pas laisser la foi aux intégristes. Et je trouvais ça important de dire, bah oui, elle est bénie, pas parce qu'elle est restée une bonne épouse à la maison, à faire plein d'enfants à son mari, mais parce qu'elle a choisi son propre chemin, elle a fait son choix. Quand on lit votre livre donc, jusqu'au bout, on découvre aussi les origines de la mère, etc. Et on a l'impression, et ça peut être le cas du personnage de Fatima, qu'on grandit contre toujours. On grandit contre le milieu dans lequel on est, contre les gens qui ont essayé de nous formater. C'est un point commun, Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Hein. C'est un peu le propre de l'être humain. C'est que même s'il y a des générations de gens qui restent au même endroit, qui effectuent la même profession, etc., ouais. Dans certaines familles, il y a quand même une espèce de désir d'autre chose quoi, que ce qu'on a connu. Et je pense que c'est normal. Tous les enfants se révoltent un peu par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Alors, peut-être pas tous, mais il y en a quand même beaucoup. Moi je vois dans l'histoire de ma famille, si je remonte les générations, c'est assez hallucinant de voir les trajectoires qui n'ont rien à voir. Et même je trouve quand les trajectoires se ressemblent, finalement quand on voit les personnalités, les caractères, etc., souvent certaines personnes sont vraiment formées à l'opposé. Et je pense que cette opposition elle est nécessaire à un moment aussi, d'autant plus quand la famille est très intégriste, quand les familles laissent plus de portes ouvertes. On a moins envie de ruer dans les brancards, mais les intégristes ne laissent pas le choix. Donc aller contre, alors à la fois c'est très rare dans ces familles parce que comme l'extérieur est vu comme étant le mal, le péché, on le fuit aussi. Mais je pense qu'il y a cette aspiration et je pense que toutes les adolescents de toutes ces familles ont eu à un moment l'aspiration d'autre chose. C'est le cas de Fatima, on est d'accord. Elle a l'aspiration d'autre chose. Est-ce que je disais grandir contre la fuite, sa l'initiation, c'est un roman d'initiation, c'est une fille qui prend sa femme libre, c'est une fille qui se libère, on est d'accord. Est-ce que ce serait pas la littérature qui lui offre l'issue de secours? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est l'endroit où elle arrive à exister entièrement. Là, on peut dire que c'est libre. Vous, là, sur ce coup-là. J'ai le droit de dire que ouais, c'est vous. Carrément. Carrément. Ouais, je partage ça complètement. Oui, c'est l'endroit où j'ai l'impression qu'on peut faire exister des possibles. Et que dans la vie réelle, c'est compliqué. Ça reste encore compliqué, même quand on a écrit. Ouais. Donc, ouais, clairement. Et alors, il y a de très beaux personnages, outre Fatima et sa mère. Un personnage qui n'est pas beau du tout, lui, c'est le père. Le père qui est plutôt monstrueux, d'ailleurs, le mot est prononcé, à un moment donné, elle le traite de monstre. Mais il y a aussi Nina. Vous nous parlez de Nina ? Alors Nina, c'est un personnage que Fatima rencontre à 25 ans. Et on comprend très vite qu'elle tombe amoureuse d'elle. Et elle est en questionnement à ce moment-là. Voilà, elle se croit, elle se dit polyamoureuse. Qu'est-ce qui la séduit dans Nina ? Ben, j'ai l'impression que c'est le fait qu'elle est un peu intouchable, qu'elle est à distance. Et que, qu'elle est aussi à côté. À côté, comme Fatima peut être à côté des autres. Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que la solution, c'est pas simplement je découvre que je suis lesbienne. Ça résout rien de découvrir qu'on est lesbienne. Il y a quand même le problème de l'amour qui se pose, le problème de la relation avec les autres. Ouais, c'est le début des histoires, j'ai envie de dire, de découvrir ça. Oui, pour moi, c'est vraiment une quête identitaire au sens aussi de l'amour. Qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Quand est-ce qu'on aime ? Est-ce qu'on est sûr d'aimer ? Est-ce qu'on a envie de rester quand on aime ? Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on continue à essayer de faire en sorte que ça arrive, que ça marche ? Ouais, pour moi, ça parle vraiment d'amour et peu, en fait, finalement. Enfin, pas peu, mais en tout cas, à cet endroit-là, c'est vraiment un truc où j'ai l'impression que tout le monde peut se retrouver dans ces questionnements-là. Oui, hétérosexuel ou homosexuel, ouais. Ou plurisexuel, ou ce qu'on voudra. Pardon ? On a tous les mêmes problèmes. Oui, ce qui ne nous rassure pas, mais bon. Rokia, son amie, dit « T'es grave bizarre, je ne m'adresse pas à vous. Hein. »« T'es grave bizarre, Fatima. Tu mérites qu'on t'aime. » C'est les deux phrases qui... Et Rokia, c'est le personnage de la meilleure amie, qui est un personnage qui m'a beaucoup plu à écrire, en fait. Parce que...
elle écoute vraiment Fatima et elle la laisse aussi respirer. Il n'y a pas cette injonction à parler aussi avec, avec Rokia. Et puis ce passage, c'est vraiment voilà, un passage à la fin qui je trouve, dit tout en fait, de leur relation et de l'endroit où se situe Fatima à ce moment-là. Maïlys, on a parlé beaucoup de filles, on n'a parlé que de ça. Mais on pourrait quand même parler un petit peu des mecs. Ah bon? Oui, bah oui. Hein. Oui, moi je les aime, on les aime bien, les gars. Ouais, ouais, mais je suis sûr que vous n'aimez pas ou que tu n'aimes pas Pierre-Louis. Mais si, mais même Pierre-Louis, je l'aime bien. C'est pas vrai. Mais si, je l'aime bien parce que je me dis le pauvre, c'est aussi une victime en fait. Ah oui. Ce Pierre-Louis, il aurait peut-être aimé fumer des pétards sur la côte caraïbe et connaître les joies de l'amour autrement, quoi. Enfin, je sais pas, il aurait peut-être aimé avoir une autre vie que ça, quoi. Et là, il se retrouve dans un rôle de. Voilà, de chef de famille. Il fait du zèle quand même. Oui, il fait du zèle, mais en même temps, c'est un. Enfin, moi, j'ai. Alors, bien sûr, le personnage est assez détestable, mais moi, j'ai quand même beaucoup de. Je me dis, ses enfants, c'était un enfant aussi qui a grandi dans une famille où il n'y avait pas d'autre choix et qui est une victime aussi de cette éducation. Et bien sûr, lui, il se retrouve adulte. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Soit on envoie tout balader. Et on choisit, parce que lui, il a fait Polytechnique, il a rencontré des gens différents, et donc il a vu ce que c'était, il a connu d'autres gens, il a eu des débats, il a parlé avec des gens qui n'avaient pas la foi, etc. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, à ce moment-là? Est-ce qu'on choisit de tout envoyer balader, tout ce à quoi on a cru depuis qu'on est enfant? Est-ce qu'on décide de marcher sur les prières qu'on a fait quotidiennement, sur les chemins de croix à genoux à s'en faire saigner la chair? Enfin, est-ce qu'on tout ça, on rejette en disant c'était n'importe quoi et ma famille c'est n'importe quoi? C'est très dur de faire ce chemin-là. Et donc Pierre-Louis, c'est sûr, lui, il a choisi d'y aller à fond. Et de, au lieu de douter, de dire bah, j'y vais à fond tout, donc les homosexuels ce sont des pécheurs, donc je me bats contre, la France va être envahie par les mécréants, je me bats contre, lui il a décidé de tout épouser, parce que c'est sûr c'est la solution un peu de facilité, mais en même temps il est un peu une victime aussi de cette éducation. Et il se croit dans le juste aussi. Il se croit, lui il pense qu'il est dans la vérité, enfin, moi je me souviens quand on me disait enfant, c'est nous qui détenons la vérité. Et en fait, les autres sont dans l'erreur et il faut les convertir ou les chasser. C'était comme ça, quoi. Et puis Pierre-Louis, même dans sa relation avec Sixtine, lui, il épouse cette jeune fille toute belle, toute douce, toute pieuse. Il est heureux, lui, il pense qu'il va avoir une famille nombreuse avec plein d'enfants. Et puis en fait, il se retrouve avec une femme qui trouve trop fragile, qui est souffrante dans sa grossesse et qui, au lieu d'accepter sa souffrance et de se mettre à genoux et de réciter un rosaire, lui demande un doliprane, quoi. Donc il est non mais c'est vrai, pour lui il est déçu en fait par cette fille qu'il trouve trop fragile, et puis il voit ses doutes, il voit qu'elle va pas très bien, et en fait tout ça pour lui ça le heurte, parce qu'on lui a raconté que les femmes étaient fortes, étaient souffrantes, accouchées dans la douleur, etc. et point barre, il a l'image de sa mère qui est comme ça, et donc c'est très, en fait pour lui c'est dur aussi. Ce qu'il vit est dur parce que son mythe, le mythe de la famille est en train de petit à petit s'effriter. Et il y a une scène quand Sixtine fuit dans les rues de Nantes parce qu'elle a vu des actes de violence. Donc lui appartient à une milice d'extrême droite qui fait des actions notamment contre les homosexuels, comme ça se passe au moment du mariage pour tous. Et il la voit fuir dans la rue et en fait il souffre, il a mal de voir cette femme qui tout à coup se comporte pas comme on attend qu'elle se comporte. C'est une femme qui court dans la rue alors que les femmes de ce milieu restent assises à l'arrière de la voiture et elles égrènent le chapelet, quoi. On l'a oublié, j'ai oublié de le dire, effectivement, ça se passe au temps de la manif pour tous, ouais. et c'est pas anodin que vous ayez choisi cette époque-là. C'est pas anodin parce que quand on me disait, j'avais besoin de l'ancrer dans une réalité aussi, vraiment concrète, en dehors de l'aspect romanesque et des personnages qui sont inventés, etc., j'avais vraiment besoin que ce soit ancré dans une réalité. Moi, quand j'étais petite, on me disait, quand j'avais des copines, j'étais à l'école publique de mon village, et quand mes copines nous voyaient en train de faire le chemin de croix dans le village, machin, elles me disaient, mais vous êtes des extraterrestres, vous venez du Moyen-Âge, t'as pas regardé L'Anne et les garçons, c'est un truc de dingue. Enfin, c'était vraiment fort. Enfin, et moi, je me disais, en fait, on est des gens pas normaux, on est des bizarres, et on se retrouve tous les ans avec d'autres gens bizarres comme nous. Et voilà, et en fait, je me suis rendu compte, après coup, que ces gens bizarres, ben, ils sont présents, et puis un peu partout, ils sont pas 200, ils sont plus nombreux, ils font plein d'enfants, donc ils grandissent, ils grossissent, et ils font des actions qui sont violentes, enfin, je veux dire, Clément Méric, ouais. Enfin, c'est des choses qui existent et qui marquent aussi notre société, et cette droitisation qu'on a aussi de la société,
Ces gens-là, ils sont aussi à des postes à responsabilité dans l'armée, quand vous voyez ce qu'il y a eu dans Valeurs Actuelles. Avec, tribune des militaires. Tribune des militaires. Ben moi, j'ai reconnu dans la liste des noms de chefs d'état-major et compagnie, là, de la communauté, qui sont des gens de la communauté dans laquelle j'ai grandi enfant, et qui sont des catholiques intégristes. Parce qu'il y a vraiment ce lien, et je trouvais ça important de montrer aussi cette réalité qu'il y a dans notre société, et qui est présente, pas uniquement que dans leur... Ils sont discrets, en général, ils sont polis, bien élevés, discrets, avec des enfants, avec des chaussettes hautes et tout ça, mais... Non mais c'est vrai, du coup, on les remarque pas trop. Mais en fait, ils sont discrets, mais ils peuvent aussi frapper, et, ou frapper fort, comme avec cet appel au putsch, quoi. Et puis avoir un poids dans la société, la manif pour tous. Enfin, je veux dire, moi, j'imagine que pour les personnes homosexuelles, ça a dû être hyper violent de voir ces gens qui allaient dans la rue pour décider pour eux, enfin, pour les juger, pour les juger. Je trouve ça complètement fou, quoi. Et c'est vrai que c'était important. Cette date de 2013, c'est un peu l'époque où on a vu aussi ces gens dans la rue. Alors qu'habituellement, on a l'impression qu'ils n'existent pas. Mais à Toulouse, vous avez une église intégriste. Vous avez une école catholique hors contrat où les enfants sont biberonnés avec ces valeurs-là. Et il y en a partout en France. Pardon, il y a une réaction Ah d'accord, pardonnez-moi. Justement, ça tombe bien, je voulais me tourner vers vous, puisque je vois que le temps passe, pour d'éventuelles questions. Il y a un micro qui peut tourner, alors il ne faut pas que vous le touchiez, pour des raisons de crise sanitaire, mais on va vous le tendre devant votre masque. Voyez comme on fait les choses bien. J'ai une question pour Maïlys. Vous employez souvent le mot intégriste. J'aimerais bien connaître la définition que vous en donnez. Intégristes, c'est comme ça que l'Église les considère, en fait. Et c'est aussi le terme qu'eux-mêmes se donnent. Ils se définissent comme étant des catholiques intégristes. C'est-à-dire que l'Église les considère comme intégristes parce qu'ils ont... Je ne saurais pas vous expliquer exactement pourquoi le terme intégriste a été utilisé, mais je pense que si on l'utilise aussi dans l'islam notamment, on dit bien, on l'utilise également, ça montre un extrémisme en fait, ultra, ouais, complètement de la foi. Et en fait, l'Église les a déclarés comme intégristes parce qu'ils ont refusé le Concile Vatican II et ils ont refusé en fait la ligne de l'Église catholique et ils n'ont plus reconnu le pape comme étant pape. Et ils ont fait des actes de sécession vis-à-vis de l'Église. C'est pour ça qu'on les a considérés comme intégristes. Je ne sais pas si j'ai assez répondu à votre question, mais eux-mêmes, il y a des gens qui ont écrit à la fin dans des articles, des gens qui ont écrit à la fin d'articles de presse sur mon livre en disant « Je suis moi-même catholique intégriste ». Donc eux-mêmes, ça ne leur pose pas de problème, en fait. Ils se définissent comme ça. Une autre question, monsieur ? Ben oui. Vous avez une belle voix, donc profitez-en. Est-ce que vous avez des méthodes de travail personnelles, rituels? Ça s'adresse aux deux, là, je suppose. Fatima? Des rituels de travail? Dans le bon sens. Ça marche. Je commence à fatiguer, là. Je n'ai pas vraiment de rituel. Je ne m'oblige jamais à écrire. Parce que je trouve que ça n'aide pas. J'essaye d'écrire quand j'en ai vraiment envie et quand je sens une urgence d'écrire. Donc je ne me fous pas la pression pour écrire. Après, je trouve que c'est bien d'avoir aussi quelqu'un à qui tu peux partager ce que tu fais. Ça aide toujours un lecteur, voilà, qui peut te donner des conseils ou te faire des retours. Après, je n'ai pas vraiment de rituel, donc je ne peux pas... Je ne sais pas si ma liste... Non, moi, c'est vrai que j'écris beaucoup papier-crayon dans un petit carnet, un peu quand j'essaie d'avoir toujours un petit carnet sur moi. Pas mal dans les transports, je me suis rendu compte dans le train ou quand je vais me promener à pied, en vélo, machin, je m'arrête et je note des idées ou des phrases qui me viennent. Et c'est souvent comme ça, puis après je m'installe et je reprends mes notes et je travaille dessus. Mais un peu comme Fatima, ouais, c'est vrai que quand on n'y arrive pas, quand on n'a pas l'envie... Je trouve que ça sert à rien parce qu'il y a rien qui sort de bon, du moins. Donc, mais c'est ouais, moi, c'est vraiment plus quand je suis en mouvement et donc je m'arrête pour noter des idées qui c'est un peu le fruit de mon image de ce qui se passe dans ma tête que je note rapidement. C'est un peu ça ma méthode de travail.
Une nouvelle question. Oui, est-ce que Maïlys, vos amis d'enfance et Fatima, votre famille, ont lu le livre et quelles ont été leurs réactions ? Ça, je suppose que vous avez déjà eu cette question. Alors, mes amis d'enfance du milieu catholique intégré, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont lu. Il y en a une qui m'a écrit en me disant que j'avais trahi, que je les avais trahis. Franchement, je comprends en fait ce qu'elle dit. Parce qu'elle, en fait, j'écris tout ce à quoi elle a renoncé. Ça doit être très violent pour elle de se dire j'aurais pu aussi avoir une autre vie. On ne peut pas se dire ça. Donc, elle est obligée de se dire que moi j'ai trahi, je suis une pécheresse, je suis une mauvaise côté, je suis méchante, etc. Quoi. Ma famille, ça a été plus compliqué aussi. Ouais. Et tout le monde ne l'a pas lu dans ma famille, notamment de ma famille très proche. Il y a des gens pour qui ce n'était pas possible de le lire. Ne serait-ce que pour l'évocation de la sexualité. Qui est vraiment, alors que c'est pas... C'est un roman hard. Hein. C'est pas du X, hein, mais ça va pas, ne vous attendez pas un truc qui va vous faire décoller. Mais, Le prochain, peut-être. Avec un ours, je sais pas. Elle dit avec un ours parce qu'en fait, ça se passe en Ariège. C'est ça ? Ouais, en partie, ouais. Le prochain. C'est que eux ils liront jamais quelque chose qui parle de sexe ou des images de sexe ou de corps nus. C'est hyper tabou. Donc rien que le fait qu'on parle de la nuit de noces d'un quatrième de couverture, ils peuvent pas y toucher quoi. Et Fatima ? Alors pareil, tout le monde ne l'a pas lu, pas pareil, juste tout le monde ne l'a pas lu. Mes sœurs l'ont lu et elles étaient très contentes. Enfin, on m'a fait un retour très littéraire. Donc, il n'y a pas eu de... Ça veut dire quoi, très littéraire ? Pas vraiment que sur des passages du texte, sans jamais me dire, mais en fait, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est, tu vois, vraiment... Ah ouais. Elle ne l'a pas lu, ma mère. Mais elle sait que j'ai publié un roman, elle sait ce qui peut y avoir à l'intérieur, mais voilà, c'est le silence. D'autres questions ? Oui. Vous avez une voix qui porte ou on apporte le micro ? Alors, je vais répéter ce que vous dites parce qu'on est filmé, donc si on n'avait pas entendu, vous imaginez que Fatima et Sixtine se rencontrent et vous en déduisez qu'elles auraient des choses à se dire. On demande aux mamans ? Bah oui, je pense, bien sûr. Après, peut-être, je sais pas, en boîte de nuit, ça pourrait être sympa. Je sais pas, ça peut être un nouveau scénario. On peut imaginer une fanfiction, c'est ça qu'on dit ? Pourquoi pas ? Oui ? Je voudrais dire ce que ça peut être comme violence par rapport à des enfants, des milieux catholiques, même pas intégristes d'ailleurs, mais bon, c'est vrai que ça s'est passé il y a longtemps, pas tout à l'heure, mais on peut vivre des choses absolument épouvantables. Ça peut aider aussi à perdre la foi. Hein, enfin, quand on vous dit que, par exemple, si vous avez communié sans avoir confessé un péché mortel, ben moi ça m'est arrivé quand j'étais petite parce que j'étais la seule à ne pas me lever pour aller communier et j'ai considéré que j'avais fait un péché. Alors je suis allée communier en me disant que je vais être foudroyée sur place. Convaincue que ça ne devait pas arriver autre chose que ça. Et ça m'a quand même aidé à perdre la foi. Un témoignage. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai, moi j'ai ce souvenir-là hein, aussi. Et puis si on ne va pas communier, en même temps on se fait regarder. Enfin, moi ça m'arrivait une fois de ne pas aller communier. Je peux vous dire que j'étais grande. Hein, j'avais 17 ans. Hein, mes parents à la sortie m'ont dit non, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as fait quoi ? Parce que ça veut dire tu as vraiment fait un gros péché, puis tu n'es même pas allé te confesser. Tu vas aller direct en enfer. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette pression. C'est-à-dire qu'on se lève et on va communier alors qu'on a fait un péché, ben, on va se faire foudroyer, comme vous dites. On se dit. Direct dans mon compteur pour l'enfer, là j'ai plein de points. Et en même temps, on ne se lève pas, on se fait foudroyer sur place par les gens qui sont là. Quoi. Et pour les enfants, je ne sais pas comment c'est chez les cathos normaux, entre guillemets, mais j'imagine que ce dont vous me parlez,
le catholicisme aussi d'il y a quelques années ressemble d'autant plus à l'intégrisme d'aujourd'hui. L'intégrisme... Ouais, j'en avais 17, donc vous voyez, à 12 ans, je pense que j'ai fait comme vous. Hein. Mais bon, Fatima, à propos de religion, comment vous avez imaginé les propos que tient l'imam à Fatima, votre personnage là ? Vous avez découvert ça dans... Non, mais c'est des paroles qu'on entend. Enfin, c'est des paroles qui sont répétées en boucle depuis toujours, quoi. Donc, c'était pas très difficile de créer ces personnages d'imam. Donc, j'avais envie de... Oui, j'ai juste réintégré tout ce que j'ai pu entendre partout, tout le temps. Et ce qu'on découvre au détour d'une page, c'est que dans le Coran, il n'est jamais question d'homosexualité féminine. Et que, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Est-ce que tu as eu des musulmans très pratiquants qui t'ont parlé du livre, avec qui tu as parlé du livre ? Alors, oui, j'ai eu des musulmans pratiquants, c'est sûr. J'en ai eu et qui l'ont, à qui ça a fait du bien, tu vois, à qui ça a fait vraiment du bien de voir exister cette histoire, quoi, et de se dire, je suis peut-être pas obligée de renoncer. Mais ils étaient déjà dans ce chemin-là de ne pas renoncer, de ne pas se dire, ok, je mets de côté ma foi, parce que pour le coup, ça peut être aussi douloureux d'y renoncer parce qu'on a l'impression que c'est impossible. Tout comme être obligé de continuer à pratiquer et à avoir une foi qu'on n'a pas vraiment, qu'on comprend pas. Pour terminer, on va parler de vos projets. Et vous avez un projet imminent, là, puisqu'il s'agit de cet été, où on aura l'occasion de vous écouter sur France Inter. Racontez-nous. Alors du coup, j'ai une émission pour la grille d'été à France Inter. C'est des entretiens avec des lecteurs et des lectrices que j'ai rencontrés depuis la publication de La Petite Dernière, qui parlent aussi de leur trajectoire, de leurs identités, de leurs contradictions. Non, mais développez. Non, soyez plus vendeuse que ça, parce que vous voulez pas avoir une surprise. Non, mais passionnant. Tout à l'heure, ça mettait l'eau à la bouche. Alors, c'est quoi le principe ? Vous êtes allé à la rencontre de lecteurs, c'est ça ? Alors, j'ai reçu beaucoup de messages depuis la publication de personnes qui avaient lu le roman et qui ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'existait pas, qui existe aujourd'hui. Et donc on m'a confié des histoires, en fait, et à partir de là, quand on m'a proposé une émission pour l'été à France Inter, c'est tout de suite cette idée que j'ai eue. Donc on m'a donné une carte blanche et cette idée elle est née de très vite, en fait. Je me suis dit ok, c'est ça que j'ai envie de faire. Ce ne sont pas des personnalités, c'est des personnages plus ou moins anonymes. Exactement. D'accord. Et vous me disiez, il y a des histoires de ouf. Il y a des histoires de ouf. Je ne sais pas si c'est des histoires de ouf. En tout cas, c'est des histoires où j'ai l'impression que j'ai pas entendues. Qui n'ont pas... Voilà, ça s'appelle ces paroles invisibles. Et du coup, ça dit beaucoup de ce qu'on entend et de ce qu'on refuse d'entendre. Et de ce qu'on refuse de faire exister aujourd'hui. Ces paroles invisibles, c'est très beau. Et c'est le vendredi de 20h à 21h, c'est ça ? C'est ça, tout voilà. À fait. Il faut en ça parler. Commence le 9 juillet. Mais on vous écoutera. Et Maïlys, alors, vous fréquentez les ours d'Ariège ? Non ? De quoi s'agit-il ? Je suis en train de peaufiner mon second roman, qui sortira dans un an, en septembre 2022, et qui parle d'un autre milieu que je connais bien, pour avoir fréquenté ce lycée agricole, qui est le monde agricole, et en particulier celui de la haute montagne, où les hommes sont confrontés aux bêtes, aux féroces, au climat, aux gens qui décident pour eux. Et voilà, c'est sur l'histoire d'une fille de berger qui est prise entre des contradictions, elle aussi. Et ça, c'est en 2022 ? Il sortira en 2022, il y a encore un peu de travail dessus, et des vacances aussi. Tous nos voeux des réussites, moi, il me tarde d'avoir les mémoires d'une bûcheronne, mais bon... Allez, merci beaucoup. Merci Brice. Merci à vous.